Bonjour et bienvenue dans l'oracle de Nadia. Cette semaine, nous allons parler de la carte numéro 58, catégorie des sabliers. Sa couleur est brun foncé. Son nom, la peur d'évoluer. Sur la carte, l'image représente une pyramide avec un petit personnage qui a le dos recourbé et qui est attaché à un piquet. Son mot-clé, stagner. Dans l'interprétation générale, il est clair qu'on peut se complaire dans ce que nous vivons, car le changement nous fait peur, ainsi que l'inconnu du lendemain. Aller de l'avant et prendre des risques pour essayer la nouveauté, ce n'est pas votre tasse de thé. On préfère faire l'autruche par manque de volonté ou on se sent privé de liberté. C'est une personne qui peut être timide, réservée, introvertie, parfois soumise. Cette carte est lourde car elle nous empêche. Au niveau des sentiments, on préfère rester replié sur soi-même par peur de quitter ce que l'on vit. Même si ce n'est pas top, c'est mieux que rien. C'est une relation difficile ou une solitude sans concession. C'est la peur d'être blessé à nouveau, car peut-être il nous a fallu beaucoup de temps pour se remettre d'un échec ou reprendre pied, à faire confiance, à partager avec l'autre. Ici, on préfère ne rien vivre que de souffrir. Cette carte nous dit « essayez d'avancer, peut-être un pas après l'autre, une petite action puis encore une autre, ça sera déjà ça ». Au niveau professionnel, vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas. Enfin, vous savez aussi être transparent, discret, peur d'être envahi par des tâches supplémentaires, d'être débordé, car vous ne savez pas dire non. Prise à défaut, vous êtes un bon employé, des petites mains utiles. C'est peut-être aussi une entreprise qui reste sur ses acquis, qui a un manque d'ouverture et de modernité. C'est pas toujours facile, parce qu'on a l'impression qu'on doit apporter beaucoup. Ça demande de l'énergie. Rester ainsi, ça peut paraître lourd, mais en même temps, c'est bien et rassurant si l'ouverture et les changements nous font peur. On peut être aussi historien ou on fait des recherches sur le passé. Au niveau de la santé, ici, on aime les médecines naturelles. C'est un savoir qui s'est transmis de génération en génération. On ne croit pas à la médecine trop classique. On est bien dans sa bulle, on se sent en harmonie et protégé. La peur du contact avec les autres. On a besoin de se sentir à la maison, car là, on est en sécurité. Tous les progrès, si l'on veut changer, vont se faire petit à petit et pas à pas. Ici, ça ne sert à rien de se donner un but trop éloigné. Il faut juste commencer par se faire confiance pour se permettre d'avancer. Je vous remercie et vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.